Ultimatum de l'Association des parents enseignants du collège Régis Chaperon au gouvernement. Si les travaux d'infrastructure ne démarrent pas d'ici un mois, ils prendront des actions qui s'imposent. Et les membres de l'association ont fait état des problèmes auxquels ils font face dans l'enceinte de cet établissement. Fadila Gorahou, la présidente de l'association, en parle à Zahira Kosman. Il y a un problème de tout à l'égout dans les environs, mais malheureusement, pétardé avec tout ce qu'il y a pour faire. Une affaire qui est très très important, c'est l'odeur des toilettes. Maintenant, nous avons un problème toilette, mais maintenant nous avons une infrastructure qui de l'eau pénétrée dans tout ce système électrique n'est plus capable l'ordre courant. Il y a un problème de transport, il y a un problème les rats. Les rats peuvent manger, professeur, se ban manger. Maintenant, nous peuvent assister les rats, nous avons un problème de Saturn, si peuvent venir mettre bas dans le computer room. Nous avons un dalle peut grainer dans l'autre room. Je suis content, fais l'appel à M. Benoît. Je suis content, il vient constater de visu. Nous, patience infinie, nous donnons un moratoire, un mois. Nous, pour prendre action qui peut besoin.